Salut à tous, c'est Mick et aujourd'hui je vais vous parler de CopyTrans, donc un programme que j'utilise en ce moment, donc qui vous permet de prendre vos musiques, vos vidéos et vos mémos vocales pour les transférer sur votre ordinateur de votre iPhone. Donc vous branchez votre iPhone et vous pouvez transférer jusqu'à 100 morceaux gratuitement. Si vous voulez plus, il faut que vous téléchargez le programme. Donc on va aller sur Google Chrome. Donc vous tapez CopyTrans. Vous allez sur copytrans.net et vous tombez là-dessus, vous cliquez sur télécharger et comme vous voyez ici, CopyTrans avec CopyTrans contact pour télécharger vos contacts que vous avez perdu sur votre iPhone, votre iPod, vos photos, je pense que c'est vos vidéos. Donc ensuite on va aller sur l'application. Vous voyez ici, vous avez CopyTrans pour transférer la musique, sauvegarder vos contacts, transférer les photos, les albums, gérer votre iPod, transférer, sauvegarder et restaurer l'iTunes. Vous avez créé des sauvegardes complètes, gérer plusieurs iPod et bibliothèques iTunes et réparer votre iPod ou récupérer des chansons effacées ou perdues. Donc nous, on va se consacrer plus sur CopyTrans, transférer la musique. Vous cliquez dessus. Comme vous voyez, moi il me reste trois actions restantes. Donc vous allez brancher votre appareil, c'est ce que je vais faire en ce moment. Vous voyez, là il a reconnu mon appareil, mon iPhone 4S. Donc là, ça load un petit peu, mais après, comme vous voyez ici, vous avez vos actions. Donc au début, vous en avez 100 gratuitement. Si vous voulez plus, comme je vous ai dit, il faut que vous téléchargez, faut que vous l'achetez. Comme ça, vous pourrez en avoir illimité. Donc vous voyez, ça c'est toutes mes chansons. Donc exemple, vous cliquez sur une. Vous allez faire sauvegarde intelligente, ça c'est juste la sauvegarder dans votre bibliothèque iTunes. Ou sauvegarde manuelle, ça c'est sauvegarder dans un dossier que vous allez créer. Donc vous faites ça, ensuite vous faites, je vais vous le faire, donc on va choisir juste une tune. Donc exemple, Band of Roses, The Funeral. Vous faites sauvegarde manuelle, dossier. Vous faites ça. Faites lancer la sauvegarde, vous voyez que ça allait sauvegarder, terminé. Ensuite, enlever le control center. Et voilà, vous avez vos musiques dans votre dossier juste ici. Il y a plusieurs dossiers. Et voilà, vous avez toutes vos musiques que vous avez cochées. Donc moi je l'ai fait tantôt, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, tu peux laisser un commentaire si tu as aimé la vidéo. Et n'oublie pas de mettre un pouce vert. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour avoir d'autres vidéos. Alors, ciao tout le monde. Peace.